Ouais. Ouais, ça fait 3 fois que je t'appelle là, ça va? Ça va et toi? Ouais, faut que je te raconte un truc, t'es où là? Chez moi là, je suis à la bourre, je commence à 10h. Ah merde, ok, bon, on se voit tout à l'heure ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste, je sais pas à quelle heure je finis quoi. Donc, ok, ok. Faut que je te laisse, ok? Faut que je me dépêche en fait, vraiment là. Viens par là. Viens par là. Allez. On y va, allez. Bonjour. Bonjour. Ici là? Très bien. Merci. Bonne journée. J'arrive tout de suite, j'arrive. Mec, la Fashion Week, elle m'a fatiguée, genre on a enchaîné 10 showrooms, after show sur after show, j'étais genre j'en peux plus, tu vois. On n'arrêtait pas, tu vois, j'étais là à droite, à gauche. Bah c'est la Fashion mais Week. Mais oui, hein. Mais en même temps, tu vois, comment c'est, chaque année c'est comme ça, ça fait 10 piges que je la fais, j'ai un moment où j'étais lessivée et la meuf de Greenpeace, elle arrêtait pas de m'appeler. Plus 44 en plus, je me dis ok, c'est London qui appelle, ça me dit... T'es belle avec tes cheveux là, hein. Ça va? Non, pas trop. J'ai perdu un truc hyper important là pour mon projet. Je sais pas où j'ai perdu ça, dans la rue, je sais pas. Ah. Ouais, c'est chiant. Attends, faut que je te raconte, il m'est arrivé une de ces galères là. Hier, j'ai rencontré un mec. Il me propose d'aller chez lui. Voilà, on arrive. Et là, il va dans la cuisine prendre un truc à boire, tu vois. Moi, j'attends. Le mec, il revient. Il était à poil. Et là, je t'ai... Oh, ce que je t'ai pas dit, j'ai revu Dan. T'as revu Dan? J'ai revu. C'était trop. En vrai, il est mignon, non? Ouais. Tu vois, il est mignon et tout, avec ses petits cheveux longs et tout, genre. Et il était là, il m'invite dans un resto. Le gars, il me fait entrée, plat, dessert. Il me sort la tota. Il vient en vélo électrique. Il est hyper vigilant de la planète, il fait attention à tout. Il s'est acheté 2 vélos électriques, ah, genre là, pour te dire, tu vois. C'est toi que j'ai croisé tout à l'heure, non? Ah oui, ouais. Tu peux me joindre à vous? Bah ouais, évidemment. Léonard, je le connais pas en fait. J'avais les chiens, on s'est croisés. Carte, je te dis celle-là. Ouais. Ouais, tu me suis en fait. Non, pas du tout, c'est mon QG ici, je viens tout le temps. Puis en plus, ce soir, il y a un concert. Et là, la meuf de Greenpeace me rappelle. Je me dis, ok, là, je vais marquer pendant 10 le date. Points pendant le date. Et je décroche et je suis genre, oui, bonjour, etc. La planète, mais bien sûr, mais moi, ça me touche trop. Et elle me parle. Et je me dis, ok, tu sais quoi? Je vais me la jouer éco devant lui. Donc du coup, je lui dis, ok, bah je signe. Voilà, je signe. Je raccroche, je lui dis, tu sais quoi, Dan, moi, à partir de demain, je suis écolo. Il arrive sur scène avec plein d'instruments, il les joue, enfin, c'est vraiment génial. Et tu connais pas? Non, non, franchement, ça me dit rien. Tu veux pas venir? C'est que j'ai des trucs à... Ouais, mais j'ai des trucs à faire et tout, moi, En vrai, je me dis, les gens, ils sont pas assez civilisés parce que... Bon, on y va tous les trois, sinon. Non, je vais y aller d'ailleurs, tu sais, j'ai mon père, il s'est fait larguer, il va pas bien du tout. Ah, il est au bout du rouleau. Tu l'as pas dit? Je te raconterai. Bon, bah, kiffez bien, hein. Merci, un plaisir. À toutes. Merci, mon gars. Ça va depuis... T'es géante. J'essaye de un peu moins consommer, tu vois, j'essaye de chercher un peu à comment recycler mes fringues.
c'est déjà assez dur comme ça, ne va pas me rajouter des trucs comme quoi il n'y aura plus de Poiscaille dans 20 ans. Mais non, en fait, ce qui m'angoisse, c'est qu'il ne me rappelle pas, tu vois, s'il ne me rappelle pas, genre, mais pourquoi tu... qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je t'ai saoulé? Est-ce que, genre, je sais pas, tu vois. Et en même temps, c'est pas trop le style de Dan. J'ai l'impression qu'il est quand même super avenant, gentil, hyper respectueux. Et le truc, c'est que je me réveille à 5 heures, ça veut dire que, je sais pas, j'ai 2 heures. Il est 5 heures, Juan Pablo n'a pas sommeil. Il se prendrait bien un petit whisky de merveille. Que ce soit ton ami ou Jack Day, ça remettrait d'aplomb pour une nuit de soleil. Mais sans glaçons et sans violon, c'est pas pareil. C'est comme un bouchon de liège sans sa bouteille. C'est dire qu'un tel breuvage vous mène au ciel. Que si le pouvoir vous touchait les oreilles. Ouais, dis-moi. Je peux te prendre un colonel sans glace, s'il te plaît? Un colonel? Sans glace. Non, j'ai pas de... Désolé. Une vodka, juste une vodka, s'il te plaît. Ok. Avec des glaçons. Ça marche. C'était ma grand-mère qui disait ça, le colonel sans glace. Ah, ok. Ouais, tu sais, le colonel, c'est une crème citron avec de la vodka et elle prenait le colonel. Ah, le colonel, oui, dessert, oui, je connais. Sans la glace. C'est une rigolote, ta grand-mère. Ouais. Ouais, je tiens beaucoup d'elle. Mais t'es surtout alcoolique. Ok. Le petit roi Pablo, pourtant futé comme un sanicarno, se rappelle comme par enchantement pour je l'ai... Léon, enchanté. Je m'appelle Julia. Tu bois quoi, Julia? Je termine mon verre. Bah c'est parfait. Excuse-moi. Ouais. Je peux prendre 2 shots, s'il te plaît? Ouais. Ça te va un shot? Ouais. Shot de quoi? Vodka. 2 shots de vodka. Ok. Faudra bien faire sans les morceaux. Au colonel? Au colonel, voilà. Il a bien fini par capter mon tempo. 15. Yes. Par carte, s'il te plaît. Non, je prends pas la carte. Désolé. Non, 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 t'inquiète. Je dois avoir ça quelque part, c'est sûr. Mais attends, mais... C'est à moi, ça? Comment ça, c'est à toi? C'est quoi ce délire, là? Pourquoi c'est toi qui as ça? C'est ce que j'ai perdu ce matin, c'est hyper important. Mais Julia... Il y avait un carnet à l'intérieur. Il est où le carnet? Il est où le carnet? Mais j'ai trouvé ce matin dans la rue. Quoi? Je peux boire des coups? C'est incroyable, c'est possible. Attends, deux secondes. On a soif. Deux secondes. Deux minutes, toi, deux minutes. Attends. Excusez-moi, vous avez une bombe juste en sortant à droite, s'il vous plaît. J'ai du monde, là. Ok, ok. Reste ici, je vais retirer. Reste là, je vais retirer. Tu l'as, le carnet? Je vais retirer. Il est où, ce carnet? Je vais t'expliquer. Ça va. On bouge plus. Frérot. Oh là là. Hey. Oh là là. Hey Léon. Rachid, pourquoi tu fais ça? Non, vas-y, non, excuse-moi. Hey, t'es une bénédiction, frérot. Faut vraiment que tu viennes avec moi. J'ai un truc de ouf. Ça va? Le cœur, il bat pas trop fort? Non, non, ça va. Ça va, excuse-moi, wow. Je voulais pas te faire flipper. Hey, frérot, faut que tu viennes. Attends, je peux pas... T'es une bénédiction, il faut que tu viennes avec moi. Tu tombes du ciel. Hey, tu sais quoi? Hey, mon frère, mon cœur, ma vie, elle était dans le brouillard. Messieurs, dames, cet homme est une bénédiction. Il faut que tu m'accompagnes. Non, je peux pas te retirer, je peux pas. Comment tu peux pas, frérot? Mec, c'est une histoire de dingue. Non, attends, moi aussi j'ai une dinguerie. Laisse Babylone de côté. J'ai un truc de dingue pour nous deux. Mec. Accompagne-moi. Viens, frérot. Hey, tu vas péter ça les plombs. Ça prend combien de temps? J'ai 5 Mais cinq le temps, minutes. le temps, mon frère. Eux, frérot, ils ont les montres, nous on a le temps. Le temps, ils jouent pour nous. Eh, frérot, t'as quoi faire? Tiens, ton pote, il a oublié ses affaires. Mais ça fait toujours 15 euros, par contre. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 3 minutes.